Bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas sur Fortnite, mais aujourd'hui je vais vous présenter mon petit studio. Alors ça va être très rapide, alors ici d'abord j'ai un canapé qui est un peu en, entre guillemets, en mauvais état, cage à escalier vraiment très étroit, ça a dû faire des trous. Après j'ai une petite table basse avec un pneu où j'ai récupéré de... C'était en 2013 si je me souviens bien, sur le circuit de Spa-Francorchamps en Belgique. Après une course de Megan Trophy, après j'ai une table en verre, enfin que j'ai récupéré du bureau, enfin d'un ancien bureau, bon il m'est utile quoi. J'ai un petit meuble télé assez sympa avec une petite collection de canettes Monster et Red Bull, des petites voitures Ferrari parce que je suis très fan de Ferrari, une Formule 1 parce que je suis très grand fan de Formule 1 également. J'ai la PS1, la PS2, la Switch et qui est niveau télé, j'ai un TCL, je saurais pas vous dire la référence, mais tout sera dans la description si vous voulez checker. Se retourne au niveau bureau qu'on m'a offert au Conforama, un bureau en verre qui tient bien. Après, j'ai un petit frigo Red Bull, vraiment pas cher, pour 70€, ça vaut vraiment le coup. Bon, après, il me reste qu'une Red Bull dedans, forcément, voilà. Un volant Sim Racing, un Logitech G29, pour ceux qui connaissent. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis un très grand fan de Formule 1, du coup, je joue sur des jeux de bagnole, la Formule 1. Projet Car, c'est encore ça. Mon Naver Media LGP2, je l'ai pris il y a un an et des brouettes, toujours en pleine forme. J'ai deux casques, un qui me sert pour le PC et la PS4 où je proche sur le port pour mettre le micro. Et puis le deuxième, il me sert également, enfin uniquement pour le jeu, mais il est branché derrière pour que j'ai un peu plus de son parce que avec, dès que tu branches sur le port USB, le son il est pas super. Bon après j'ai ma PS4, la première version avec mes deux petites manettes en or. Et en rouge, qui est un peu en mauvais état parce que le jour où je l'ai acheté, bon, je l'ai acheté également au Cachet Express et il tient très bien la route. Après, pour clavier, souris et tapis de souris, je sais que la marque c'est Klim, bah de toute façon c'est écrit dessus. Je vous mettrai également les liens dans la description si vous êtes vraiment intéressé. Franchement, ça fait bien son taf, ça répond bien, c'est... Enfin bref, y a pas de mots, je suis très satisfait, y'a aucun souci sur ça. Après, j'ai deux écrans, en général pour le PC, et après, je peux switcher un pour le PC, j'enregistre des vidéos, et puis une en face de moi pour jouer à la console. Après, mon micro actuel, c'est un Tonor E3000, qui fait très bien son taf. Après, ce qui me sert de filmer caméra, bah c'est tout con, c'est mon téléphone, c'est un Asus Zenfone 3. Après, ce qui est éclairage, c'est tout con également, j'utilise une lampe à LED, elle éclaire très bien, je le dirige vers moi, dès que je l'allume, ça éclaire très bien, comme vous avez pu voir sur mes deux dernières vidéos. Après, ma chaise, il est tout vieux, je ne saurais pas, je le récupère de mon père. Il a quelques années maintenant. Il a quelques années, je saurais pas vous dire. Bon bah, je peux plus le monter ni le descendre. Bon bah, je suis très bien, je suis pile en face de l'écran comme il faut. Après, ce qui vous intéresse le plus, c'est niveau PC. Alors, le tour du PC, faut pas se faire l'esthétique, voilà. Fallait une grosse tour de PC parce que sinon la carte graphique elle ne passait pas. Après, bon, je le changerai un jour, mais bon, je vais pas le faire déplacer parce qu'il pèse assez lourd et puis c'est chiant après de ranger les câbles derrière. Je saurais pas vous dire l'alimentation et comment ça s'appelle, la carte mère parce que j'ai plus la boîte et je me souviens plus. Comment il s'appelle? J'ai une carte graphique, c'est une GTX 970. Après, ce qui est niveau mémoire vive, j'ai 24Go de mémoire vive actuellement. J'ai deux barrettes de 8Go de HyperX Fury DDR3. J'en suis très satisfait pour le moment. Les jeux ils tournent à la perfection. Après, j'ai deux barrettes classiques, des comme ça, hein, qui sont dedans. Ils font 4Go chacun, donc bah ça me remplit et ça fait assez de taf. Après en processeur, j'ai un AMD FX 8320E, il est en promo, je suis pas déçu non plus. Après je sais qu'à un moment il faudra que je le change parce que les jeux sortent, plus il va demander un peu plus de ressources. Enfin après voilà quoi, bon bah qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah pas grand chose, hormis que j'ai un petit arbre à chat là, des collections de casquettes de Formule 1 également ici, ma petite table basse. Bon s'il y a un carton juste là parce que les chats ils aiment bien aller dedans. Bon moi ça change des jeux vidéo, c'est... Parce qu'en ce moment les jeux vidéo c'est bien gentil mais... Quand tu arrives plus, parce que t'es trop confiant sur le jeu là, tu fais que de la merde. Du coup, j'essaie de jouer sur un autre jeu, mais forcément, bon, bah,
ça sert à rien de faire des vidéos dessus, parce que bon, à droite à gauche, même si les vidéos tu fais par toi par passion, mais en ce moment ça me disait trop rien. Je préférais faire une vidéo où ça pourrait intéresser plus les gens. Et puis voilà quoi. Bon bah j'espère au moins que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à laisser un petit j'aime pour voir vraiment si ça vous a plu ou pas. Et puis bon, ça pourrait me récompenser également. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. On a passé les caps des 300 abonnés. Merci à vous déjà. Et bah, passez une bonne journée, bonne soirée. Je sais pas quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et ben, salut tout le monde. Ciao, bye bye.